Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, honte à moi, j'avais envie de commencer cette petite toile qui est une toile de chez Joy Sunday ou assimilée Joy Sunday. Alors c'est une petite toile qui représente le printemps, mais alors ça fait un moment qu'elle est dans mon stock et je ne me rappelle plus avec qui je l'ai eue. Voilà, donc je suis incapable, j'ai cherché dans mes anciennes vidéos, dans les vidéos sur ma chaîne, et je crois que je ne vous l'ai jamais présentée, c'est ça le truc. Mais je comprends pas, c'est pas normal. Puisque ça c'est une petite toile que les partenaires nous ont imposée, c'est pour ça que vous l'avez eue un petit peu sur toutes les chaînes. Parce que moi, à la base, elle me plaisait pas trop. C'est pas ça que j'aurais choisi, tu vois. Mais ils me l'ont envoyé quand même. Je crois que dans le choix qu'on avait, les autres me plaisaient vraiment pas. Et c'est celle-ci que j'ai choisie à la fin, quoi. Si tu veux. Bon, bref. Mais alors, je me rappelle plus c'est qui. Donc, je ne retrouve pas la vidéo de déballage. Pourtant, c'est obligatoire que je voulais montrer, mais... Donc, c'est pas grave, je vais la commencer quand même. Parce que elle est toute mignonne, elle fait 20 cm, tu vois. 20 cm de côté, c'est 100... Oh là, il y a quelque chose qui est tombé. C'est 100... Elle fait, ouais, 19 cm de côté. C'est sans prise de tête, donc j'avais envie de prendre cette petite toile pour répondre, parce que elle est mignonne quand même, hein, le résultat final peut être joli, hein, il n'y a pas du tout de point arrière. Donc j'essaierai de vous mettre le lien si je le retrouve. Et voilà. Voli volou. Ok. Bon bref. Je vais répondre à un tag. Parce que, alors, c'est la première fois de ma vie que je fais ça. J'ai jamais été taguée par personne. Et là, c'est la chaîne Je peux pas, j'ai créa, Marie-Laure, qui m'a taguée pour répondre au tag des abonnés de la chaîne Green Angel. Catherine de la chaîne Green Angel avait fait un tag où elle répondait aux questions de ses abonnés, et du coup, il y a quelques chaînes qui ont repris le concept, enfin, qui ont repris les questions, et qui... et voilà, et qui répondent aux questions. Donc, c'est la chaîne Green Angel qui est l'instigatrice de ce tag, mais c'est Marie-Laure, de la chaîne Je peux pas, j'ai créa, qui m'a taguée. Donc, bah, merci beaucoup, Marie-Laure, et puis merci à Green Angel, Catherine, d'avoir fait ce tag. Donc bah, je vais essayer, tout en brodant, de répondre aux questions. Alors attends, parce que je vais prendre mon coupe-coupe. Il fait très chaud aujourd'hui, il fait assez chaud, il fait 30 degrés à peu près chez nous. Donc voilà, alors je pose la feuille et je vais essayer. Alors par quelle couleur je commence? Est-ce que je commence par les arbres? Je sais pas trop. Alors c'est marrant, ah oui. Il y a le numéro 12, c'est un vert qui va là, tac, après on a le 11. Qui est un vert aussi, qui va là. Ah bon? Ah ben oui. Sinon, j'ai les lettres. 04. J'espère pas. Ça ne m'inspire pas. Oh, 05, c'est du bleu. Bon, on va faire le 05. Tiens. Alors, je prends mes petites aiguilles. Ah mince. J'espère que ça filme. Hein. Hop.
Voilà, je vais préparer mon fil. Elles sont... J'espère qu'il n'est pas trop fin, le chat de l'aiguille. C'est dommage parce que j'aime bien ces petits projets aussi, hein, mais j'arrive jamais à me décider. Quand je fais une sélection sur un site, j'arrive jamais à me décider pour une couleur, enfin pour un petit projet comme ça. Il y en a souvent sur les sites, il y en a beaucoup. Mais j'hésite toujours, je sais pas pourquoi. En photo, comme ça, ça me dit pas. Et puis après, quand je l'ai en main, je me dis, oh bah tiens, c'est pas mal. C'est pas mal parce que toujours faire des gros projets, bon, c'est un petit peu, c'est bien, mais c'est plus long à faire. Donc là, des petites toiles comme ça de 20 cm, en général, c'est plus simple et plus rapide. Donc ça permet d'avoir des projets terminés un petit peu tous les mois. Je sais que je peux pas, j'ai Créa, elle le fait souvent ça. Elle achète, enfin elle achète, oui. En tout cas, elle choisit des projets de temps en temps plus petits, enfin voilà, d'une vingtaine de centimètres comme ça. Ça lui permet de finir plus de petits projets. Une satisfaction quoi. Alors, j'ai dit quoi? Donc là, je suis sur le 05, donc c'est le orange. Ah, tu que tu. Attends qu'elle ne m'ouvre pas aussi. Ah bon? Oui, c'est l'orange, mais c'est du bleu en réalité. Alors, on y va. J'espère que tu vois. Ah bah non, bien sûr, tu vas pas voir. Je vais essayer de baisser un peu le téléphone. Voilà. Alors, on y va. Je commence. Du coup, la chienne, elle s'est mise à l'ombre. Elle a voulu sortir avec moi. Mais il n'y a pas d'ombre. Donc du coup, elle s'est mise dans la pièce avec moi. Par désespoir, elle voulait re-rentrer dans la maison, mais... Non, là, elle peut plus. Enfin, si, elle peut quand j'irai là-bas, mais... Sinon, il faut qu'elle m'attende. Alors, on y va. La première question. Alors, si vous n'aviez pas découvert le DP ou le point de croix, vers quel loisir créatif vous seriez-vous tourné? C'est une question de Karine. Alors, si j'avais pas découvert le point de croix... Moi, je fais pas beaucoup de DP, donc... Attends, je réfléchis. Si j'avais pas découvert le point de croix, qu'est-ce que j'aurais fait à la place? Bah, moi, je faisais déjà beaucoup de loisirs créatifs avant. Enfin, je faisais beaucoup de créations déjà avant de faire du point de croix. Donc, bah, je serais restée sur la peinture, l'aquarelle. Ce qui m'empêche pas de continuer à en faire. Hein. Mais dans tous les cas, voilà. Je faisais aussi de la pyrogravure, comme je vous avais dit. Et j'avais commencé à apprendre la gravure sur verre. Enfin, apprendre en autodidacte. Hein. Mais j'avais débuté la gravure sur verre. Ça me plaisait bien. Par contre, c'est très très bruyant, la gravure sur verre. C'est pour ça que j'en faisais moins que le reste. Mais ouais, je serais restée sur la... Ce que je faisais le plus au moment où j'ai commencé le point de croix, on va dire, c'était la pyrogravure. Ouais. Et la peinture à l'huile. Donc je serais peut-être restée là-dessus, tout simplement. Alors, je sais pas si c'est une question suivante. Je crois que c'est une question suivante. Donc je vais rester là-dessus, je ne vais pas compléter, parce que je crois que la question vient après. Donc ouais, pyrogravure. Deuxième question. Quel est le loisir créatif que tu aimes par-dessus tout? Bah là, en ce moment, c'est le point de croix. En ce moment, c'est ça. Mais sinon, ce que j'ai fait le plus dans ma vie et que donc j'aime aussi par-dessus tout, c'est la peinture.
La peinture, pas tant l'aquarelle, mais la peinture à l'huile. J'aime beaucoup la peinture à l'huile. Alors, question 3. Donc ça, c'était une question qui était plus pour Catherine. Mais comme j'ai aussi un chat, je peux répondre. Ton chat s'aventure-t-il hors de ton jardin? Muriel. Est-ce que mon chat s'aventure hors du jardin? Alors oui, il sort tous les jours. Et il s'aventure un petit peu hors du jardin. Mais voilà, il reste dans le voisinage. Enfin, dans le voisinage. Une fois, on l'a récupéré sur le toit du voisin. Et il ne savait pas descendre. Il monte sur les toits. Enfin, il monte sur mon toit et sur le toit de. Il était monté sur un des toits du voisin, mais. Enfin, le toit d'un des voisins, pardon. Ça s'est bien passé. En fait, le voisin est parti le récupérer avec une échelle. Gentiment. Parce que nous, le temps qu'on s'organise et tout, bon, bah, le voisin était déjà monté. Voilà, mais sinon, il ne s'aventure pas trop ailleurs. Pourtant, à côté de chez moi, il y a une forêt et tout, donc souvent. Enfin, je pourrais avoir peur de ça, tu vois, qu'il aille en forêt et tout. Mais j'ai remarqué, il y a beaucoup de chats dans le quartier. Et il n'y en a aucun. Enfin, j'en vois pas dans la forêt, quoi. C'est marrant, ils y vont pas. Ils le sentent qu'il y a des animaux sauvages et tout, et donc c'est un peu dangereux. Mais ouais, il sort hors du jardin. Ouais. Mais il reste autour, il reste sur le mur du jardin. Il reste sur notre toit, il reste. Voilà. Il va pas trop trop loin, en tout cas, j'ai pas l'impression. Faudrait que je lui colle une caméra, comme dans l'émission là, sur les chats, là, je sais plus comment ça s'appelle. Il colle un dispositif pour voir où va le périple que fait leur chat la nuit. Mais nous, la nuit, il rentre. Enfin, pas toujours, mais. Le plus souvent, la nuit, il est à la maison. Alors. 4. Êtes-vous parti à l'étranger pour les vacances ou le travail? Oui. Mais pas vraiment. Pour moi, je pense. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment l'étranger. Je pars en Espagne. Je partais, on va dire, avant. Ça fait 20 ans que je peux aller. Hein, donc, Mais disons qu'il y a 20 ans, oui, je voyageais. J'allais quasiment tous les ans en Espagne. Espagne, Portugal. C'est tout. Je suis jamais allée ailleurs, il ne semble pas. Non. Non, non. Je suis pas une grande voyageuse. J'ai pas la possibilité, disons, parce que j'aime bien voyager, mais en même temps, quand il faut que je m'organise pour partir quelque part, je stresse beaucoup. J'ai toujours peur d'un accident de la route, d'un carjacking. Parce que je me rappelle qu'avec mes parents, on partait tous les ans en Espagne en voiture et on craignait ça, hein, on craignait de se faire attaquer sur une aire d'autoroute. Moi, je psychote là-dessus, parce que bien souvent, quand on partait en Espagne, c'était la nuit. Et bon, mes parents étaient déjà âgés à l'époque et je me disais, si on se fait attaquer, c'est pas mon beau-père qui va. Enfin, c'était mon beau-père et ma mère. C'est pas mon beau-père qui va réussir à nous sauver parce que déjà à l'époque il avait déjà 70 ans, enfin presque 70 ans. Donc, voilà. Donc ouais, j'ai toujours eu un peu peur de voyager. Qu'est-ce qui vous a donné envie? Alors c'est la question numéro 4. Alors ça c'est plusieurs questions d'une seule et même personne. Ah, elle a posé deux questions. Vanessa elle a posé deux questions. Donc, êtes-vous parti à l'étranger et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du point de croix et du DP? Alors, le DP, je vous avais déjà raconté, c'était, me semble, une pub. Ouais. C'était un encart publicitaire sur. Un encart. Une pub sur Facebook. Le DP. Quand j'en faisais, parce que là, j'en fais plus. Et le point de croix, c'est en cherchant des nouveaux modèles de DP que sur les sites, j'ai vu qu'ils faisaient des kits imprimés, des kits estampés
deux points de croix. Et donc, bah, j'ai voulu tester. Je me suis dit, tiens, c'est pas mal. Ça a l'air pas mal. Si c'est comme le DP, bah, ça peut être intéressant. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du point de croix estampé. Et ensuite, bah, j'ai voulu faire du point de croix compté et ainsi de suite. Moi, je brodais pas avant. Ouais. Plus jeune, je brodais pas. Hein. Ça m'intéressait pas. Alors, donc c'est des questions. Les deux dernières questions, c'était des questions de Vanessa. Alors, ensuite, numéro 5. Toi qui fais énormément. Chut! Toi qui fais énormément de loisirs créatifs, y en a-t-il un que tu n'as jamais encore testé? Qui te tenterait, mais pour lequel tu n'oses pas te lancer? Alors, il y a un loisir créatif qui m'a toujours. Qui m'attire en général quand je vois des gens, des fois je vois des vidéos sur TikTok par exemple, je vois des gens qui font ça, c'est la poterie. Je pense que j'aurais bien aimé en faire, mais tu sais, la poterie avec le tour de potier, comme dans Ghost, tu sais, avec le plateau qui tourne là, j'aurais bien voulu tester ça. Mais je suis pas persuadée que j'aurais persisté là-dedans. Mais ouais, une fois dans ma vie, j'aurais voulu. Bon, ça peut encore arriver, hein, mais j'aurais voulu tester le tour de potier qui tourne là, pour essayer de faire un pot. Je suis pas persuadée d'y arriver, mais ça, j'aimerais bien tester. L'année dernière, il me semble, j'ai essayé de voir si je pouvais m'en procurer un pas trop cher. Un plateau tournant là. Mais après j'ai laissé tomber parce que il me semble que ça fait trop de saleté. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut avoir une pièce vraiment dédiée à ça. Parce que faut une pièce qui soit alimentée en eau pour pouvoir nettoyer, hein, et voilà, un stockage. Voilà, et puis ce qui me retient aussi, c'est que bien souvent, quand tu fais des belles pièces, on va dire, hein, parce que bon, y a de l'argile qui sèche à l'air libre, mais pour faire des belles pièces comme des pots en terre cuite et des assiettes et des bols, il faut quand même le passer au four. Et je pense, je crois qu'au four traditionnel, ça fonctionne pas. Il me semble, hein, mais je peux me tromper. Mais... Voilà, donc il faudrait une pièce avec un point d'eau et un four dédié à ça. Donc, bah, j'ai pas encore testé. Voilà. Peut-être un jour, je ne sais pas. Même pendant un moment, quand j'étais plus jeune, hein, j'ai été intéressée pour. Je voulais faire partie d'un club de poterie, tu vois. Un truc. Mais non, j'ai jamais eu l'occasion. Ensuite. Pour quelle raison? Bah, j'ai expliqué. Donc ça, c'était une question de Marie-Laure. D'ailleurs, j'avais été visiter en Alsace. Il y a un village qui est réputé comme ça pour pour ses faïences et ses poteries, il me semble. Mais je m'en rappelle plus du nom. À chaque fois, j'oublie. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne principale l'année dernière, mais je me suis gouré de nous. Donc là, je ne veux pas me planter. Donc, mais y a un village en Alsace et j'avais été le visiter. Ils font des broderies, des broderies, des poteries magnifiques. Et ils sont réputés pour ça. Alors, j'ai aussi habité près de Gien. Alors là, c'est pas de la poterie, c'est de la faïence, de la porcelaine, je sais plus. À Gien, ils font de la. D'ailleurs, il y a une. On était allé. Il y a une espèce de déchetterie là-bas, à Gien. Donc, tu as le musée de la faïence. Et il y a une espèce de déchetterie à l'air libre,
où tous les... Parce qu'à l'époque, je faisais de la mosaïque aussi, oui, j'ai fait de la mosaïque. Où tous les... On va dire les produits, les déchets en fait de l'usine à faïence, quoi, sont rejetés dans la nature. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de colline immense dans la forêt et tu marches dessus et c'est que de la faïence. Que des... Alors c'est sympa parce que les gens y vont. Attends, je suis en train de faire une bêtise. Les gens y vont et tu récupères des carrelages. Des carreaux, tout ça, pour faire. Nous, on était allés, on avait récupéré tout un tas de. Enfin, plein de sacs remplis de morceaux de faïence, comme ça, plein de mosaïques. Ça a l'air libre, c'est gratuit, et puis les gens ramassent dans la nature. Donc, c'est intéressant parce que des fois, c'est des carrelages qui coûtent cher, quoi. C'est des trucs qui coûtent cher. Donc, je sais pas si vous êtes déjà allés, je sais pas si cette. Cet endroit a fermé ou a été nettoyé, mais en tous les cas, j'avais bien aimé y aller. Tchouk. Alors, question numéro 6. Aimes-tu les meubles anciens ou modernes? Alors, aimes-tu les meubles anciens ou modernes? Je sais pas trop. Je pense pas que. Je pense pas que j'ai un goût spécifique, je crois pas. Qu'est-ce que j'aime comme meuble? Je suis pas trop, je crois que je suis pas trop moderne moderne. J'aime bien le bois. Je sais pas. Je sais pas si je suis moderne ou ancien. Par contre, j'aime bien les meubles peut-être retapés. Tu sais, récupérés par exemple en brocante. Ou en vide-grenier, un vieux meuble et puis le retaper. Je me rappelle qu'à une époque, alors, il y a quelques années de ça hein, quand même, hein, je m'amusais à retapisser un fauteuil avec un beau tissu. Avec un beau tissu et. Avec des vrais clous de tapissier et tout ça. Et j'avais poncé le fauteuil, tout ça. Et ça, j'aime bien, tu vois. J'aime bien faire du neuf avec du vieux, tu vois. J'aime bien les meubles patinés. Tu vois, tu ponces le meuble, tu passes une lasure, pas une lasure, une espèce de peinture blanche. Et ça fait des dégradés de blanc, gris. Ça fait vieux, mais c'est pas si vieux. Je sais pas comment dire. Je sais plus comment que ça s'appelle. Mais ouais, relooker les meubles anciens, j'aime bien. Relooker les meubles anciens, ouais. Mais après, dans un magasin, je suis pas attirée spécialement par un truc spécifique. J'aime le bois. J'aime ouais, le bois de bonne qualité, tu vois. Qui a un style. Bon, je sais que par exemple chez mes parents il y avait pas mal de à l'époque des meubles en merisier. Ça, c'est mon beau-père qui avait ramené ça. Je les trouvais beaux, mais c'est pas le truc que j'irais acheter, tu vois. Bon, puis ça coûte cher, mais c'est pas non. Voilà, voilà ce que je dirais. Mais je suis pas trop déco d'intérieur, c'est pas trop mon truc. Moi, c'est un bric-à-brac de. C'est un mélange de genres, j'en sais rien. C'est pas ma priorité d'avoir un bel intérieur. Je peux pas, en fait. Si j'avais une belle maison, avec des belles pièces, qui puissent mettre les meubles en valeur, je te dirais peut-être, mais j'ai une toute petite maison avec très peu d'espace. Enfin. Voilà, pas beaucoup d'espace, donc je peux pas me permettre de faire la difficile. Et voilà, je te dirais que ma cuisine, elle est toute simple. On l'a rénovée, enfin on l'a refait l'année dernière, je crois. Bah, par exemple, c'est des meubles noirs, parce que j'avais bien aimé.
meuble noir, vasque noir, enfin évier noir avec robinet en inox et plan de travail couleur bois, tu vois, par exemple. C'est pas un style spécifique, mais voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Ni moderne, ni ancien. Je sais pas quoi dire. Je sais pas trop. Question 7. As-tu peur de prendre l'avion? Alors, non. Pas vraiment. Ceci dit, j'ai pris deux fois l'avion dans ma vie. Et c'était pour une courte distance. C'était pour aller en Espagne. Enfin, en Portugal. Donc, je te dirais que j'ai pas eu trop peur. Enfin, disons que qu'est-ce que tu veux faire? Une fois que t'es dedans, ben, t'es plus maître de ton destin. Hein. Tu as ta vie entre les mains du pilote, donc vaut mieux lâcher prise, quoi. Donc moi, je pense à autre chose. tu vois, je regarde par le hublot, je trouve ça joli, je regarde les paysages. Et bon, comme c'était un trajet de. Alors, Gaïa, là-haut! Comme c'était un trajet de 1 heure et demie, bon, t'as pas le temps de trop psychoter, quoi. Il n'y a pas eu trop de turbulences, il n'y a pas eu de trucs comme ça, donc j'ai jamais pris l'avion pour aller dans un pays exotique, tu vois. Donc j'ai jamais eu le temps, j'ai pas vraiment eu le temps d'avoir peur. Par contre, quand je monte dedans, j'ai quand même une petite appréhension. Bah, c'est normal. Parce que quand tu montes dans un avion, ça a l'air tout fragile. En tous les cas, est-ce qu'elle est bruyante celle-là? Alors, elle s'allonge, mais tu sais, il faut que. Elle n'est pas à l'aise, elle est là, elle tourne, elle tourne. Voilà, qu'est-ce que je te disais? Ouais, quand tu montes dans un avion, ça a l'air tout léger. Tout fragile. Quand tu marches dans le couloir de l'avion, t'as l'impression que tu vas passer au travers du sol. Ça, c'est l'impression que ça m'avait fait. C'est-à-dire, c'est pas comme, c'est même pas encore comme une voiture. Tu vois, une voiture, le sol, il a l'air un peu costaud entre guillemets. Donc, tu penses, voilà, tu te dis que tu vas pas passer au travers, mais je me rappelle d'avoir eu cette sensation. Quand je marchais dans l'avion, de me dire, bon sang, il n'y a pas beaucoup d'épaisseur sous mes pieds. C'est ça qui m'a le plus marqué, en fait. Après, le reste, non, j'ai pas eu peur. Non, je crois pas. Enfin, je te dis, j'ai lâché prise. Voilà, j'ai pas voulu y penser. Numéro 8. As-tu un potager? Alors, j'ai eu longtemps, souvent, des potagers, mais j'en ai marre. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'attention. Je crois, il y a encore 2 ans, j'avais fait pousser des salades et des tomates, mais bon, les salades étaient bonnes, mais bouffées par les escargots et les limaces, donc ça m'a saoulé. J'en ai quand même mangé, on en a quand même mangé, mais si tu veux, bon. Puis moi, ça me fait de la peine, tu vois, je me dis, bon, les animaux, enfin les insectes ont besoin de manger aussi, donc je me dis, bah, je partage avec eux, quoi, mais du coup, ça amène d'autres insectes, et ainsi de suite. Donc, c'est beaucoup de. C'est les nuisibles, moi, qui me fatiguent. Parce que, comme je te dis, comme j'habite près d'une forêt, j'ai pas mal de nuisibles. Des pucerons, par exemple, sur mes rosiers, sur mes cerisiers, pas mal de. Enfin, sur mon cerisier, pardon. Pas mal de pucerons. Et j'ai pas le truc de m'occuper de ça. Donc, bah, bien souvent, j'ai pas beaucoup de cerises. Parce qu'il faut nettoyer, il faut protéger l'arbre, le traiter. Et c'est pas que j'ai pas la bonne technique, mais je m'y intéresse pas. Tu vois, donc je laisse. C'est un peu comme si je laissais le jardin vivre sa vie.
Et puis des fois, bah, des fois tu as du résultat, des fois tu n'en as pas. Voilà. Donc j'ai pas de potager, mais j'ai un arbre fruitier et un olivier. J'ai deux arbres fruitiers, j'ai un figuier. Figuier qui donne beaucoup, ça c'est pas du tout contraignant. Parce que il n'a pas de nuisibles quasiment, à part les guêpes l'été qui peuvent s'attaquer un petit peu aux figues. Mais sinon, non, ça va. Donc les potes. Ah oui, puis mes tomates, elles ont attrapé le mildiou. Parce que cette année-là, il a fait chaud, mais vers la fin du mois de. La fin du mois d'août, donc il y a 2 ans, il pleuvait beaucoup et du coup. Les tomates sont tombées malades et ça m'a saoulée. Et il me semble que quand tes tomates attrapent le mildiou, tu peux plus semer des tomates au même endroit l'année d'après. Je crois avoir entendu ça. Donc ça m'a saoulée. Donc j'ai plus jamais refait de potager en fait. Peut-être que cette année, ben non, c'est trop tard. Tu vas me dire, il faut faire au mois de mars. Donc là, on est au mois de mai, c'est un peu tard. Mais pendant un temps, je m'amusais à faire des petites pousses. Ah oui, j'avais planté des poireaux, des carottes, des poivrons, mais ça n'avait pas donné. Ça n'avait pas donné grand-chose. J'avais planté des pommes de terre. Mais je te dis, j'avais fait une culture en sac. T'achètes des sacs exprès pour ça, pour les patates. Et tu. C'est pas mal. En fait, c'est censé te faire au pied, au fond du sac, c'est censé te faire tout un tas de patates. Et au final, j'ai trouvé que c'était pas super efficace. Ou en tous les cas, je me suis mal débrouillée. Du coup, comme j'ai pas eu un super rendu. Comment dire? Un super ouais rendu, je sais plus comment on dit là. Bref, t'as compris. J'ai pas récolté beaucoup, donc bah j'ai arrêté. J'ai toujours mes sacs de culture, mais bah là cette année j'ai rien fait. Et puis la deuxième question qui fait partie de celle-ci, est-ce que c'est ton mari ou c'est toi qui t'en occupe? C'est moi. Parce qu'alors lui, il est pire que moi. Il n'est pas du tout branché jardin. Quand il fait des trucs, c'est parce que je l'oblige. Il fait des aménagements extérieurs, tout ça, c'est un peu parce que je lui prends la tête. Mais sinon, c'est pas de lui-même, il va pas aller bêcher le jardin. Puis en plus, il y a 2 ans, je m'étais intéressée, je m'y intéresse toujours, à la culture. Comment dire? Je me rappelle plus du nom. Tu sais, en fait, tu laisses ton jardin comme il est, tu retournes pas la terre, tu retournes jamais la terre. Par contre, tu rajoutes des couches de paille, des couches de fumier, des couches de paille pour. Bah, je me rappelle plus du nom de cette culture-là, mais j'avais appris que ça ne sert à rien de bêcher ton jardin. C'est même moins bien, puisqu'en définitive, tu casses le biotope qu'il y a à l'intérieur, l'équilibre, et tu as un moins bon rendu que si tu fais la culture, je ne me rappelle plus du nom. Je m'étais intéressée à ça il y a 3-4 ans. Et en final. Bah, c'était bien, c'est un peu ce que font tu sais, les communautés autonomes, les gens qui vivent en autarcie, là, enfin pas en autarcie, mais bon, les gens qui ont des panneaux solaires, des toilettes sèches et tout ça, eh ben ils font ce genre de culture. Tu retournes pas ta terre, tu prends juste d'ailleurs j'avais acheté à l'époque une bêche, c'est comme un râteau, mais c'est pour bouger, pour remuer un petit peu la terre, mais sans la retourner. C'est une fourche bêche, je crois. Et ben ça, c'est vachement bien. Parce que déjà, ça te fait beaucoup moins mal au dos. Parce que moi, ici, j'ai de la terre argileuse, pleine de cailloux et argileuse.
Et en fin de compte, quand il fallait retourner le jardin, c'était une horreur. Et j'avais trouvé que ce système de culture, en fait, en accumulant de la matière par-dessus plutôt que en creusant, eh bien, c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus naturel et beaucoup moins contraignant, tu vois. Par exemple, quand tu tonds ton gazon, eh ben tu jetais, nous c'est ce qu'on faisait, tu jetais ta tonte de gazon sur ton potager, ce qui fait que ça fait des nutriments et pour les vers de terre et ainsi de suite. Et ta terre est beaucoup plus riche. Et on jetait, par exemple, je me rappelle que je jetais mes coquilles d'œufs, mes restes d'épluchures de légumes et tout ça. Et en fait, si tu veux, c'est comme si tu avais ton compost au pied de tes légumes. Et ce qui fait qu'ils sont nourris directement à la terre, quoi. Et c'était. Elle était géniale. C'est vrai que c'est génial de faire ça. J'ai arrêté, mais peut-être que l'année prochaine, je le ferai. C'est génial de faire ça. Franchement, c'est beaucoup plus enrichissant. C'est. Enfin bon, j'adore faire ça. Bref, voilà. question numéro 9. Crois-tu en la vie après la mort? Alors, je te dirais que oui, parce que, bah déjà, parce que je suis médium. Et que, bah, j'ai des. Voilà, je peux communiquer, entre guillemets, c'est pas systématique non plus, mais je peux avoir des contacts. Donc, et j'ai eu des contacts avant de tirer les cartes, avant tout ça, j'ai eu des contacts avec bah, ma mère qui est décédée, je vous l'avais dit, en 2003. Donc, je peux attester, entre guillemets, puisque j'ai pas vraiment de preuves, parce que j'ai pas pensé à filmer ou quoi. Mais j'ai eu des contacts. Alors, c'est pas des trucs extraordinaires comme dans les films. C'est pour ça que la plupart des gens n'y croient pas. Enfin, beaucoup de gens n'y croient pas. Parce que on se dit, ouais. Bah, il n'y a jamais de preuves, il n'y a jamais de trucs en direct et tout. Bah oui, parce que c'est subtil en fait, c'est pas l'exorciste, c'est pas Amityville et tous ces trucs-là. Mais tu sais que c'est le défunt, c'est voilà, tu sais que c'est ton défunt qui a voulu te contacter. Pour toi, tu en as la preuve. C'est-à-dire que. Par exemple, moi, si je vous rappelle, si je vous raconte un peu mes trucs, quand ma mère est décédée, enfin non, c'est beaucoup plus tard, en fait, c'est quand j'ai eu quand j'ai eu mon premier enfant. Un jour, donc elle était décédée déjà depuis 7 ans. Et on avait emménagé dans cette maison, c'était récent. Et donc j'avais ma fille. Et je suis partie faire le ménage dans sa chambre, ranger les jouets, tout ça. Et ma fille, elle avait un jouet qui. Un espèce de petit téléphone qui fait de la musique, voilà, avec les touches lumineuses et tout ça. Et je ramasse les jouets, et ce téléphone-là, je l'avais pas du tout touché. Il était derrière moi. Il était posé au sol derrière moi. Mais moi, je n'avais pas remarqué. Et d'un coup, il se déclenche tout seul. Enfin, je me rappelle que j'étais en train de ranger la chambre et puis je pensais à ma mère, parce que je pense toujours à ma mère. Je pensais à ma mère, tout ça, et le téléphone se déclenche. Et il dit une phrase qui n'était pas préenregistrée dans le téléphone. Tu sais, C'est des musiques ou des phrases qui sont déjà enregistrées dans le téléphone, mais celle-ci, elle n'y était pas. Et donc le téléphone me dit, appelle maman, appelle maman. Donc déjà de base, le téléphone n'était pas programmé pour dire ça. Et moi, j'étais en train de pleurer parce que je pensais à ma mère. Donc le téléphone qui me dit, appelle maman.
Et moi, comme j'étais dans mon truc, tu vois, je lui dis, je ne peux plus t'appeler, maman. Et le téléphone me répond, maman te dit au revoir. Alors qu'il disait pas cette phrase non plus. Donc déjà ça, donc tu penses à ta mère et le téléphone te dit appelle maman. Enfin, c'est bizarre quoi. Et ensuite après, quand tu lui réponds que tu dis je peux pas t'appeler, il dit bon bah ok, bah, je te dis au revoir alors. Voilà, déjà ça. Pourquoi je crois à la vie après la mort? Parce que quand elle est décédée là réellement. Donc on est parti. Alors, on est parti à l'enterrement. Et c'était avant ou c'était après l'enterrement? Non, c'était juste après, je crois. On revenait de l'enterrement. Et moi, je suis partie dans la chambre. Donc là, c'était en Espagne. Je suis partie dans une des chambres à côté de la sienne. Parce que je ne pouvais pas rentrer dans sa chambre. Je flippais. Donc je rentre dans la chambre d'à côté. La chambre avait été vidée. Il n'y avait aucun meuble. Et je suis rentrée dans cette pièce avec mon chien. Enfin non, avec le chien de ma mère. C'était un dalmatien. Je rentre dans la chambre avec le chien. Et pareil, bah, je rentre de l'enterrement, donc je pleure, tu vois. J'étais en train de chialer. Et là, le chien hérisse les poils. Il se dresse, il se crispe sur ses pattes. Et il commence à aboyer vers le fond de la pièce. Et au fond de cette pièce, il y avait une vitre. La pièce est un peu bizarre. En réalité, tu as une fenêtre classique, mais tu as aussi une fenêtre qui fait un trou dans le mur. Et cette fenêtre, elle donne sur un couloir. C'est un couloir ou c'est la chambre directe de ma mère, je sais plus. En fait, c'est une vitre qui donne sur une autre pièce. Petite vitre. Et le chien se met à aboyer, mais comme un fou, à se crisper, et d'un coup, il se fait pipi dessus, le chien. Donc, comment tu veux que je ne croie pas à la vie après la mort? Là, j'ai pris le chien, j'ai dit, tu sais, j'ai arrêté de pleurer direct, parce que ça devait pas être ma maman, parce que le chien connaissait ma mère, c'était le chien de ma mère, donc. Si ça avait été ma mère, elle n'aurait pas réagi comme ça. Et donc j'ai dit, bon bah viens, on s'en va. J'étais jeune. Hein. J'ai pas vraiment flippé parce que j'ai pas eu le temps de percuter, mais j'ai vu qu'il y avait un souci, quoi. Le jour de l'enterrement, donc le même jour, on est revenu. Alors tu sais, ça se fait beaucoup. Hein. C'est-à-dire qu'une fois que tu as enterré la personne, tu vas, enfin là, en tous les cas, on est parti au restaurant. Je sais pas si ça se fait en France. Mais si tu veux, c'est comme si on faisait un repas pour se retrouver, discuter, machin, bref. Pas pour fêter, pas pour faire la fête, mais pour se réunir, en fait. Donc, on part au restaurant. Et quand on revient, parce que moi, j'ai trois sœurs et un frère. Mon frère, il est parti. Donc c'était le soir, hein, c'était la nuit. Hein. Il était déjà presque 23 heures. Mon frère part se coucher. Alors lui, bizarrement, il n'avait pas du tout peur. Il est parti dormir dans le lit de ma mère. Et ça nous a tous fait bizarre. On s'est dit, putain, comment il fait? Bref. Donc nous, on ne pouvait pas dormir. On ne pouvait pas se coucher avec mes soeurs, en fait. On ne pouvait pas se coucher. Donc on est resté dans le salon. Et comme on n'a même pas calculé ça, en fait, on a mis des bougies, on a éteint toutes les lumières. Je ne sais même pas qui a eu cette idée. Bref, on a éteint toutes les lumières, on a laissé juste les bougies, et on a commencé à sortir des photos et à parler de nos souvenirs avec notre mère. Donc on était toutes assise sur un coin de fauteuil. C'était des fauteuils qui se faisaient face, en fait. Il y avait des fauteuils, il y avait une banquette, et on était tous un peu comme si on était en rond autour de la table. C'était une petite table basse, mais on était en rond. On discutait de nos souvenirs, de nos trucs, machin.
Et d'un coup, j'entends tac, 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 tac. En fait, ma mère, elle avait un, et je savais que ça venait de là. Elle avait un buffet, une espèce de buffet en bois, avec des poignées qui se relèvent et qui s'abaissent en laiton, tu sais, en cuivre ou en laiton, qui, en fait, la poignée, elle se tire, et quand tu la rabaisses, elle cogne sur une petite plaque en métal. C'est des petites poignées comme ça, bref, qui ressemblent à des glands un peu. Et j'entendais ces poignées-là qui faisaient tac, 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 tac. Et ça n'arrêtait pas. Et personne réagissait. Et moi, j'entendais ça, je me disais, putain, c'est quoi ça? Et j'osais rien dire. On était toutes là, en train de discuter. Et puis, bref, à un moment donné, on a commencé à somnoler. Et le bruit continuait. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Et là, ça m'a énervée. Et j'étais assise à côté d'une de mes sœurs qui est très sensible aussi aux esprits parce qu'elle a eu des expériences, bref. En tout cas, quand on était jeune, c'était elle qui sentait beaucoup de choses. Et donc, je me retourne vers elle et je lui dis, mais putain, je me suis énervée parce que personne ne disait rien. Je dis, putain, mais vous entendez pas là? Mais personne va réagir. Est-ce que vous entendez que ça cogne là dans les meubles? Vous entendez et tout? Et donc, elle se retourne vers moi, elle me dit comme ça. Mais si, on entend. Bien sûr qu'on entend, mais ferme-la! En fait, on flippait, tu sais. Et à partir du moment où j'ai dit ça, donc c'est comme si le fantôme, quoi. Donc c'était ma mère, hein, qui manifestait sa présence, hein. À partir du moment où j'ai dit ça, je me suis allongée, j'ai senti un courant d'air froid passer sur mon visage, comme si une main glacée prenait mes cheveux, les mettait derrière l'oreille, et prenait mes cheveux comme ça, me passait la main sur le front, et je me suis endormie jusqu'au lendemain, je ne me suis pas réveillée, comme si on m'avait dit « c'est bon, tu peux t'endormir ». Trop bizarre. Plein de choses comme ça. Ma fille aussi qui a vu ma mère. Ma fille quand elle avait 4 ans. 4 ans. Une fois, j'ai eu plein d'expériences comme ça. Une fois, on jouait. Donc on jouait toutes les deux dans le salon. Et on rigolait, je sais plus pourquoi. Je sais plus pourquoi. Et la petite se retourne. Donc, si tu veux, le salon était grand et il y avait un couloir au milieu du salon qui menait aux chambres. Et la petite se retourne et elle me dit attends, est-ce que je me suis bourrée de feu de couleur là? Non, c'est bon. Elle se retourne vers le couloir et elle me dit oh, il y a mamie qui est là. Et elle n'a jamais connu ma mère, en fait, hein, parce que ma fille est née en 2010 et ma mère est décédée en 2003. Donc, se sont pas connues toutes les deux. Et elle me dit comme ça, à 4 ans, « Oh, il y a mamie qui est là !» J'ai dit, « Comment ça ?» J'ai dit, « Elle est où ?» Elle me dit, « Ben, elle est là, dans le couloir. » Et donc, je me retourne vers le couloir et je lui dis, « Tu sais, sceptique !» Je pensais qu'elle inventait un truc, tu vois. J'ai dit, bah, alors si tu la vois, dis-moi comment elle est habillée. Et elle me dit, eh ben, elle a un t-shirt rouge. Elle a un t-shirt rouge et elle rigole. Elle est contente parce qu'on est contente. Voilà. Elle nous voit rigoler et donc elle est contente. Et elle est habillée avec un t-shirt rouge. Et un pantalon noir et blanc. Et quand elle m'a dit ça, j'ai eu des frissons. Parce qu'il faut savoir que quand ma mère est décédée, j'ai récupéré les derniers vêtements qu'elle portait, qui étaient dans la salle de bain, un t-shirt rouge et un pantalon noir et blanc. Et ma fille ne pouvait pas le savoir parce que ces affaires-là sont soigneusement rangées dans une boîte
en haut d'une étagère inaccessible, même pour moi. Même pour moi. Donc ma fille ne pouvait pas le savoir. Voilà pourquoi je crois en la vie après la mort. Et puis en dehors de ça, bah, je te dis, après j'ai grandi et j'ai eu des expériences avec d'autres entités. Mais ça, c'est, on va dire, mes expériences d'avant la découverte de ma médiumnité, on va dire. Voilà. Par contre, j'ai jamais eu de signe de mon père parce que je pense, je fais un blocage par rapport à mon père. Donc je pense que c'est pour ça. Un jour, je suis passée dans le couloir et je leur ai dit à tous les deux, je sais que vous êtes là, mais ne venez pas parce que j'ai trop peur. J'étais jeune. Hein. Enfin, j'étais jeune. J'avais 25 ans. Je sais que vous êtes là, mais ne venez pas, j'ai trop peur. Et c'est pareil, ma fille, tous les soirs, mais c'était une catastrophe dans sa chambre. Elle rigolait toute seule, elle parlait toute seule. Bon, tu vas me dire, peut-être un ami imaginaire, comme on voit dans les films. Mais c'était pas ça le plus choquant. Un jour, impossible de rentrer dans sa chambre. Impossible, la porte était bloquée de l'intérieur. Le matin, pour la réveiller, pour la lever, quoi. Et en fin de compte, son lit était carrément à l'opposé de sa chambre. Et il bloquait la porte. En fait, elle, son lit se déplaçait toutes les nuits. Donc c'était quand même un lit en bois massif. Son père avait mis des poids au pied du lit parce que, je te dis, le lit bougeait tout seul. Donc on se disait peut-être c'est elle qui le bouge la nuit. Mais de là à le mettre derrière la porte d'entrée de façon à ce qu'on ne puisse pas ouvrir la porte, c'était bizarre. C'était très très bizarre. Elle aurait pas pu, c'était la distance à parcourir était trop grande. Et puis je te dis, son père avait mis des poids au pied, enfin, il était impossible de bouger le lit. Même pour nous, on avait énormément de difficultés à le bouger. Donc quand le matin je suis arrivée, je pouvais plus ouvrir la porte, j'ai dit waouh, qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit? Alors faisait pas du mal, hein, je pense pas, mais impressionnant quoi. Voilà. Donc voilà. Crois-tu en la vie après la mort? Oui. Oui, oui, oui. Je cherche en même temps que je te parle, si j'ai d'autres exemples. Et puis dans ma famille, j'ai beaucoup de gens qui ont eu des expériences. Mon frère, je te dis, quand il s'est couché dans le lit de ma mère, il a senti quelqu'un s'allonger sur lui. Il pleurait, bien sûr, quand elle est morte. Et il a senti quelqu'un s'allonger sur lui et lui essuyer les larmes. Voilà. Ma sœur, qui est juste avant moi, elle a eu des trucs. Elle a vu des trucs. Elle est tombée. Elle a vu des trucs aussi. Moi, je les vois pas réellement, mais je les entends. Enfin, je les entends. Je les ressens, en fait. Je sais quand il y a une entité. Une fois, j'ai fait un tirage de cartes comme ça, et je savais que la personne pour qui je tirais les cartes, enfin, la personne sur qui je tirais les cartes, était juste à côté de moi, en fait. Je le sentais. Et à ce moment-là, t'as mon chien qui s'est levé et qui m'a prouvé qu'elle était là, puisqu'il arrive et il se met à remuer la queue. Il se met à côté de moi, il regarde dans le vide, il se met à remuer la queue et lui apporte le chausson. C'est le chausson de son maître. Comme si il reconnaissait la personne qui était à côté de moi. Comme s'il la connaissait, quoi. Il lui rapporte le chausson comme s'il venait d'arriver. Tiens, je te le donne. Une offrande, tu sais, un truc. Et j'ai dit, bon, bah oui, la personne était à côté de moi, quoi. Voilà, enfin, il y a plein de choses en dehors de ça qui me font... Qui, je sais, voilà. C'était long, là, la réponse, non? numéro 10. Tu préfères la mer ou la montagne? Alors, changement d'ambiance. Tu préfères la mer ou la montagne? Je préfère.
J'aime bien la montagne, mais ça dépend de laquelle. Ça dépend de laquelle. J'aime bien la mer. Moi, il me faut les deux. Mon village en Espagne, c'est ça, c'est les deux. Tu as des forêts magnifiques d'eucalyptus et tu as les rivières sauvages, les cascades, ça j'adore. Un peu, moi ce que j'aime c'est le paysage corse, tu vois par exemple. Il y a la mer et il y a la montagne. Ben, je veux les deux moi. Pourquoi choisir? Voilà. C'était une question de Marie-Carmen. Ensuite. 4, 11. Y a-t-il un jour dans la semaine où tu ne fais pas de loisirs créatifs, Nanou? Non. J'ai pas de jour précis pour faire des loisirs créatifs déjà. Je fais des loisirs créatifs comme ça me chante, quand ça me chante, où ça me chante. Je ne me fixe pas de jour, d'heure, d'endroit. Je fais du loisir créatif. C'est pour ça aussi que j'aime le point de croix, parce que c'est pratique. Tu peux en faire partout, à tout moment, sans trop déranger les autres. Tu vois, par exemple, quand tu fais de la gravure sur verre, accroche-toi, tu réveilles tout le monde. Tu peux pas le faire le soir, il faut que ce soit dans une pièce aérée, parce que ça fait beaucoup de poussière de verre. Voilà. Donc, tu vois, pour ça que j'aime le point de croix aussi. Donc, j'ai pas de créneau pour ça. Numéro 12. Depuis combien de temps fais-tu des miniatures? Peux-tu nous en montrer une? Alors, ça c'était une question spécifique pour Catherine, mais je peux répondre aussi, parce qu'elle fait beaucoup de miniatures. Elle nous en a montré des belles, hein, et puis elle a une vitrine maintenant, maintenant pour les exposer et tout, donc c'est super. Donc moi, j'ai commencé à faire des miniatures, j'en ai fait qu'une en vérité, mais j'en ai plein d'autres à faire. J'en ai terminé une, mais elle n'est pas là. Elle est dans la chambre de ma fille parce que je lui ai donné. Parce que c'était une miniature où il manquait des pièces. Il manquait des petits trucs pour faire les finitions. Et du coup, je lui ai donné. Donc, elle était super contente. Et moi, je dois refaire la même avec tous les. Il manquait, en fait, sur la première, il manquait les éclairages, tu sais, pour la fin. Et donc, celle-ci, je l'ai donnée à ma fille. Mais il faudrait que je la refasse. Avec la nouvelle, avec l'éclairage et tout et tout. Mais je n'ai pas continué à faire des miniatures. En tout cas, pour l'instant, je n'en fais pas d'autres. Pourtant, j'en ai plein. Parce qu'à Noël dernier, on m'en a offert plein. Et j'étais super contente. Mais le problème, c'est que j'aime trop le point de croix pour l'instant. Et quand je fais autre chose que du point de croix, j'ai l'impression de perdre du temps sur mes points de croix. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis, si je me mets à faire une miniature, c'est le temps que je perds à pas avancer sur un de mes projets que j'aime. Voilà. Donc pour l'instant, je ne dis pas que ce sera tout le temps comme ça, mais pour l'instant, j'ai mis en pause les petites miniatures. Voilà. Je pense que de temps en temps, je me ferai plaisir, je m'en achèterai une pour avoir un stock. Et de temps en temps, j'en ferai, mais pas en ce moment. Peux-tu nous en montrer une? Bah, je peux pas. Faut aller sur mes chaînes, sur mes vidéos, et vous verrez, j'ai une vidéo de réalisation de miniatures. Voilà, c'est le, j'avais fait le cirque. Le cirque. Je crois que c'est ça. Hein. Le petit cirque de chez Action. Voilà, c'est ça. Mais ça m'avait bien plu, hein, par contre. Hein. J'aime bien. Hein. D'ailleurs, du coup, j'ai acheté des colles bien pour faire ça. J'ai acheté la colle B7000. Je me suis équipée avec des pinces, avec des trucs. Et du coup, j'en fais plus. Mais ça reviendra. Ça reviendra parce que j'aime bien. J'aime beaucoup ça. Alors, numéro 13. Quel est ton rêve le plus fou ou que tu sais que tu ne pourras jamais réaliser? Quel est ton rêve le plus fou? Mon rêve le plus fou. Attends, faut que je réfléchisse parce que alors là, j'ai pas vraiment de rêve, moi. Moi, je me contente de ce que j'ai, hein. Je me contente de ma petite vie. Bon,
Quel est mon rêve le plus fou? J'adore les animaux, donc peut-être mon rêve le plus fou. Ce que j'aimerais, c'est peut-être faire un safari photo. Peut-être. Partir dans une jungle, ou pas dans une jungle, mais dans un. Tu vois, en Afrique peut-être, mais j'ai peur de voyager, donc. J'ai peur d'aller en Afrique, c'est dommage, mais je peux aller à Thoiry, remarque, prendre en photo les animaux. Mon rêve le plus fou. Mon rêve le plus fou. Ah oui, j'adore les rapaces. Les aigles, les vautours, les oiseaux comme ça, les grands oiseaux. Et j'aimerais peut-être manipuler, parce que c'est bien beau de les voir, j'aimerais manipuler une chouette. Un hibou, un faucon, j'adorerais ça. Je pense que j'adorerais ça. Mon rêve le plus fou, je pense que ce serait en lien avec les animaux. Ouais. J'aimerais pouvoir approcher un lion, mais sans qu'il soit en cage, tu vois. Mais vraiment approcher un lion, toucher un lion. Oh, comme je rêverais de ça. Un lion, une panthère, un guépard, un puma. Toucher leurs grosses patounes là. Ouais. M'approcher au plus près des animaux sauvages. Ça oui. Pas les gorilles, les trucs comme ça. Mais par contre les félins, les tigres. Je crois que c'est. Les félins, c'est. C'est une. Je suis fascinée par les félins. J'aimerais aussi toucher un ara jacinthe. J'aimerais manipuler un ara jacinthe. Hyacinthe ou jacinthe. Si vous ne savez pas ce que c'est, regardez sur YouTube, il y a des vidéos. C'est un oiseau qui est assez rare et qui coûte évidemment très cher. C'est un perroquet. Et il est bleu. Mais tout bleu. Je crois qu'il a été, il a été fait dans un dessin animé de Disney. Il est tout bleu. Avec un bec très arrondi, un bec énorme. Il est bleu avec une tache jaune, je crois, sur la tête. J'adorerais approcher cet oiseau-là aussi. Ouais. Voir un condor aussi, mais de près. Tu vois. Moi, c'est en lien. Je pense que mes rêves les plus fous sont en lien avec les animaux. Je pense. Ouais. Je crois que c'est ça. Sauter en parachute, tout ça, non. Je suis trop une flippette. J'ai un peu peur du vide, entre guillemets, quoi. J'ai pas le vertige, mais j'ai un peu une appréhension. Je pense que ouais, ce serait en lien avec ça. Avec les animaux, quoi qu'il arrive. J'aimerais bien, par exemple. J'aimerais bien être soigneuse, soigneur dans un zoo. Ah ouais. J'adorerais ça, je crois. Je crois que j'aimerais beaucoup. Mais bon, le problème, c'est que les soigneurs font toute la merde. En gros, hein. Parce que quand t'es gamin, tu rêves de faire tel ou tel truc, mais souvent tu te tapes, en tout cas au début, hein, tu te tapes le sale boulot. Attends, je vais essayer d'enfiler mon aiguille. Alors, ça y est, j'ai enfilé mon aiguille. Ouais, donc je pense que quand tu travailles dans un endroit comme ça, tu dois te taper pas mal de tâches ingrates avant d'accéder. À tes animaux de rêve, quoi. Donc, ouais. Voilà ce que je dirais pour. C'était quoi la question? Quel est ton rêve le plus fou? Ou que tu sais que tu ne pourras jamais réaliser? Bah, je sais pas si je pourrais jamais le réaliser. Hein, si ça se trouve, je le réaliserai peut-être un jour. Hein, toucher un hara jacinthe. Non, remarque, c'est pas possible. C'est pas possible à moins d'aller peut-être aux États-Unis ou je sais pas où, parce qu'en France, je suis pas sûre, je suis pas persuadée de trouver quelqu'un avec un oiseau comme ça. Bref, t'as compris.
Alors, 14. Vu toutes tes activités, est-ce que tu les termines toutes? J'essaye. Je les termine pas toutes, mais j'essaye, ouais, c'est ça. J'en abandonne pas vraiment. Quand je faisais de la pyrogravure et des tableaux, de la peinture, bien sûr que je l'ai terminé. Je crois qu'il y a un tableau que j'ai pas terminé. Mais parce que, bon, voilà. Mais sinon, en général, je les termine. Les broderies, j'en termine. C'est avec le temps, en fait, hein, c'est que c'est très long. Et puis, bah, on n'a pas toujours les mêmes emplois du temps. D'un jour sur l'autre, ça peut changer. Donc, même si un jour, je vais mettre 3 heures sur un projet, le lendemain, je ferai peut-être que 10 minutes, un quart d'heure. Et donc, du coup, ça retarde. Mais en général, j'essaye de terminer. C'est le but, en tout cas. Cela me semble impossible avec tout ce que tu as d'avance. Et où les ranges-tu? Ah oui, tu veux dire que est-ce que j'ai fini de broder tout mon stock? Non, bien sûr que non, puisque tous les jours, enfin pas tous les jours, mais régulièrement, on s'en rajoute. Donc c'est sans fin. Mais bon, on s'en fout après. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas grave. Ouf, moi, ça me dérange pas d'avoir. Ça me dérange pas trop d'avoir plein de toiles en cours. C'est pas ça qui me. Ça me perturbe pas. Ça me perturbe pas d'avoir plusieurs toiles en cours. J'en finis, tant mieux. Je les finis pas, ben je les finirai un jour. Voilà. Tchouk tchouk tchouk. C'était une question de Françoise. Ah oui. Où les ranges-tu? Ah bah ben alors ça. Où est-ce que tu les ranges? Ben ici dans ma pièce. Donc j'ai une pièce spécifiquement pour ça. Hein. Pas que pour ça, mais j'en range. Une grosse partie ici dans cette pièce, dans des caisses. J'ai des caisses en polystyrène. Des grosses caisses en polystyrène. Je les range dedans. Et dans le salon, j'ai un meuble. Alors, j'ai plusieurs meubles dans le salon, c'est le problème. J'ai un meuble à tirer un placard où j'en ai plusieurs. J'ai une commode avec des tiroirs où j'ai des DP et des. J'ai que des DP et de la pyrogravure. Après, j'ai un buffet. J'ai tellement de trucs. J'ai un buffet où j'ai toutes mes affaires de tatouage. Mes catalogues, mes dessins, tout ça dans le buffet. Et ensuite, bah, j'ai mon bureau où j'ai encore des sacs et des sacs. Près de mon bureau, j'ai des sacs remplis de toiles de broderie. Tous mes projets en cours. J'ai une quarantaine de projets en cours, il me semble. Ici, dans ma pièce, dans la cabane, c'est tout ce que je n'ai pas démarré. Donc, c'est les projets neufs. Et ce que j'ai dans la maison, c'est tout ce que j'ai démarré. Dans le bureau, enfin, sur mon bureau. Et près de mon bureau, c'est des sacs avec mes projets en cours. Et dans le petit meuble avec les portes, j'ai le point compté. Tous mes kits en point compté et tous mes. Voilà. Voilà, en gros. Numéro 15. Si une de tes abonnées passait dans ta région, est-ce que tu te laisserais inviter au resto? Alors, inviter, je sais pas pourquoi. Quoi, je me laisserai inviter certainement que je paierai quand même ma part je pense hein. Mais après ça dépend de qui parce que il faut que j'aie créé un lien avec cette personne c'est pas tu vois moi je suis pas prête à rencontrer tout le monde parce que tu sais jamais sur qui tu tombes bah oui on se connaît pas réellement hein. On se connaît sur les réseaux mais voilà. Il faudrait que j'aie créé un lien avec cette personne, que j'ai voilà, eu des affinités par message, par mail, tu vois. Peut-être. Peut-être. Mais je suis quelqu'un de très. C'est pas de la timidité, pas du tout. C'est de la méfiance. Moi, je suis assez méfiante. J'aime garder
mon espace, ma vie personnelle, elle est assez cloisonnée. Voilà, c'est pas, je le mets pas à la portée de tout le monde. Voilà. Voilà, donc j'ai quand même du mal, je pense, hein, ça m'est jamais arrivé, mais j'aurais quand même du mal à rencontrer des gens que je ne connais pas, en fait, parce que vous me connaissez, physiquement peut-être également, puisque il m'est arrivé quand même de filmer mon visage. Donc vous me voyez, vous savez de quoi j'ai l'air, mais moi pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis assez méfiante à ce niveau-là. Donc, c'est pas dit. Franchement, c'est pas dit. Ou est-ce que ça te gênerait de voir quelqu'un en direct? Bon, bah, j'ai répondu. C'est pas que ça me gênerait, c'est que j'ai envie, j'aime bien garder ma vie en dehors des réseaux tels que. C'est-à-dire, pas mélanger. Tu vois, c'est pas trop mon truc de mélanger, honnêtement. Ou alors, faut vraiment, comme je te dis, que j'ai une réelle affinité avec cette personne et que ça ne me dérange pas de la rencontrer parce qu'elle est tellement, on est tellement proches au niveau caractère et au niveau affinité que bah, voilà, ça coule de source. Tu vois? Donc c'est au cas par cas pour moi. C'est vraiment. Voilà. Ça, c'était une question de Sybille. Alors, numéro 16. De quelle région es-tu originaire? C'est une question de Roseline. Je suis née à Paris, région parisienne. Je suis née dans le 13e, à la Salpêtrière. Je suis née dans le quartier chinois. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai toujours. Alors, je ne sais pas si c'est pour ça, mais j'ai toujours été liée. Ah, je sais pas, il y a une livraison peut-être. Alors, excusez-moi, j'avais une petite livraison. Alors, donc oui, je te disais, donc je suis née dans le 13e et en vérité, je ne sais pas si c'est pour ça, mais j'ai toujours eu des affinités avec la communauté asiatique. C'est très bizarre et on me disait quand j'étais jeune que je devais avoir comment dire, des ancêtres chinois parce que j'avais la tête d'une petite chinoise, bizarrement, alors que j'ai été rousse et tout ça, mais on me disait que j'avais les yeux en amande comme les Chinois. Enfin, c'était bizarre, j'avais que des copines chinoises, je travaillais avec des Chinoises, des Indonésiennes, des Japonaises, et puis bah, j'ai eu des petits copains chinois. Voilà, ma fille, je l'ai eue avec un Asiatique, donc elle est Eurasienne. Enfin voilà, c'est tout un truc. J'ai vraiment un truc avec la communauté chinoise. Voilà. Pourtant, je suis jamais partie au Japon, je suis jamais partie en Chine. Je suis pas réellement attirée par ça, mais la bouffe chinoise, j'adore. J'ai connu les karaokés chinois dans le 13e avec mon premier petit copain. C'était waouh. Parce qu'il était, il était animateur de karaoké, alors imagine, dans un resto chinois. Et voilà, donc j'ai connu tout ça, j'ai fait tout ça. C'est tombé, on dirait que c'est une autre vie en fait. Enfin voilà. Ensuite, combien de temps par jour consacres-tu aux loisirs créatifs? Ben, j'ai pas vraiment de. Donc c'est la question numéro 17. Je consacre. J'ai pas de timing en fait. C'est dès que je peux, quand je peux, où je peux. Voilà. Donc ça dépend des jours. En journée, je peux difficilement avoir un moment pour moi, à part là. Là, bon, c'est férié, tout ça. J'ai un petit peu de temps. Mais sinon, en règle générale, la journée, j'ai un peu de mal à me poser, entre guillemets. Mais je brode surtout la nuit, moi. La nuit, je peux broder des heures et des heures et des heures et des heures. Voilà. Donc après, c'est. Voilà. Mais j'essaye de broder tous les jours.
De toute façon, dès que je me lève. D'ailleurs, mon homme me dit, mais tu fais que ça, mais dès que tu te lèves, tu prends ton truc et tout. Bah oui, parce que j'aime bien quand je déjeune, quand je prends mon petit café, tout ça. J'aime bien broder 5 minutes, ou un petit quart d'heure, une demi-heure. Ensuite, je fais à manger, tout ça. Donc l'après-midi, je peux pas trop, mais dès qu'arrive le soir, après le dîner, en règle générale, c'est mort. Je brode. Donc voilà. En gros, voilà. Il n'y a pas vraiment de temps. J'ai jamais calculé dans tous les cas. Mais peut-être c'est 3-4 heures par jour, puisque je te dis, je brode la nuit. Le plus gros du temps. Je brode la nuit, donc je peux broder de 20h ou 21h jusqu'à 3h du matin. Je suis une tarée, faut le savoir. Voilà. Te fixes-tu des limites ou pas vraiment? Non, je ne me fixe pas de limites et c'est peut-être ça le problème. Si peut-être, ça fait vachement bien les petites lettres là. C'est peut-être ça le problème, c'est-à-dire que j'ai pas de, ouais, je ne me fixe rien. Je fais comme je veux et même les gens qui voudraient me fixer quelque chose comme limite, je les envoie bouler. Voilà. Donc limite maintenant, ça me fait suer. Quand j'ai une course à faire, quand je dois m'absenter, quand c'est un truc de ouf, je me dépêche de rentrer pour faire mes points de croix. Ça devient naze, hein, ça devient bizarre. Et moi, ce que je me dis, c'est qu'à un moment donné, ça va se calmer d'un coup et j'aurai plus du tout envie de broder. C'est ce qui me fait peur. C'est ce qui me fait peur parce que je suis souvent comme ça. C'est-à-dire que je vais me mettre à fond sur un truc pendant 6 mois et d'un coup, terminé. Donc c'est peut-être ce qui va m'arriver, je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai envie d'en faire, donc je continue d'en faire comme je peux. Voilà. Arrives-tu à tenir les limites? Non, non, je me fixe pas de limites. Donc j'ai pas besoin de les tenir. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, je... Des limites, ce serait de se dire, bon, aujourd'hui je brode qu'une heure. Je n'arrive pas à me dire ça. Je peux pas. Je suis contrainte par mes obligations. M'occuper de la maison, faire le ménage, m'occuper de moi, m'occuper des enfants, m'occuper de la bouffe, des animaux. Je suis déjà très occupée. En temps normal, faire les courses, faire les papiers, tu vois. Voilà, m'occuper de mes 2 chaînes YouTube. Voilà, donc déjà, j'ai ça. Mais alors qu'on me mette pas de contraintes pour la broderie, parce que c'est mon petit échappatoire, quelque part. Donc, c'était une question de Pascal, et on arrive à la fin, il n'y a plus de questions. Donc, c'était bien sympa, j'espère que ça vous a plu. Je vous mettrai en barre d'infos donc toutes les personnes que j'ai citées. Donc merci à Catherine d'avoir créé ce tag. Merci à Marie-Laure de Je peux pas, j'ai créa. J'adore le nom de sa chaîne. De m'avoir cité. Donc je vous mettrai leur chaîne. Catherine Green Angel, que je suis aussi. Laure, Marie-Laure. Et alors, il faut que je tague des gens. Alors, attends, parce que pas que je me gourre dans le nom des chaînes. Je vais taguer les folies de Mimi. Alors attends, pas que je me plante, faut que je regarde parce que. Alors Mimi, attends, je regarde le nom exact des chaînes. Je vais taguer. Donc les folies, c'est les folies de Mimi. Hein. Que ça. Ah oui, non, je suis pas sur la bonne chaîne, excusez-moi. Je retrouvais plus les gens. Ouais, je suis pas sur la bonne chaîne. Oui, je vais donc taguer les folies de Mimi, Broderie & Co.
Je vais taguer les extravagances de tempérance. Alors, sauf si vous avez déjà fait le tag, hein, je ne sais pas, j'ai pas tout suivi, mais évidemment que si vous avez déjà fait ce tag, c'est pas la peine de le faire. Mais je vais taguer. Ah ben non, mais Roselyne, elle a déjà été taguée par. Je peux pas, j'ai créé, je crois. Bon, c'est pas grave, je la tague quand même. Roselyne et ses loisirs. Je vais taguer loisirs créatifs de Zaza. Ouais, les extravagances de tempérance. Les folies de Mimi. Les loisirs créatifs de Zaza. Isa et ses passions. Qui d'autre? Qui d'autre? Attends. C'est Mumu. Muriel de fil en aiguille, non, c'est pas ça. Mumu. Je sais pas combien de personnes il faut taguer. Ouais, c'est Muriel. Mince. Il faut que je retrouve son. Ouais, je la retrouve plus. Pourtant, je sais que. Faut pas que j'en tague de trop parce qu'après je me rappelle plus. Attends, faut que je le note. Parce que je vais vous le noter après sur. En barre d'infos. En barre d'infos, je vais tout vous noter. Je vais essayer. C'est Muriel. Elle est longue ma vidéo, dis donc. Alors, je vais noter au dos. Donc, j'ai dit qui? J'ai dit les folies de Mimi. Les loisirs de Mizaza. Les loisirs de Zaza. Les extravagances de tempérance. Isa et ses passions. Et qui j'ai dit? Ouais, je voulais Muriel. Muriel. Je me rappelle plus de sa chaîne. Attends, faut que je la retrouve. Elle n'a pas fait de vidéo là dernièrement. J'ai un chien qui est en train de vomir. C'est vachement. Parce qu'il mange de l'herbe et après il spurge. Alors. Voilà. La pause créa de Mumu. Voilà, c'est ça. Allez, ça fait 2 jours qu'elle n'a pas publié. La pause créa de Mumu. Voilà. Donc, je vous mettrai. Alors, est-ce que je mets des liens? Je verrai comment je vous mets ça sur la barre d'infos. Mais voilà. Les folies de Mimi, les loisirs de Zaza, les extravagances de tempérance, Isa et ses passions et la pause créa de Mumu. Voilà. Bon, bah, j'ai fini. Oh là là, mais c'était long, hein, dis donc. Hey. En plus, il fait chaud. J'espère que ça vous aura quand même un petit peu plu. Et puis, bah, moi, je vais vous dire à plus tard.
prenez bien soin de vous et profitez du beau temps. Voilà. Bye bye les gens. C'est joli, non? J'aime bien en fait. Elle est mignonne cette petite toile. C'est dommage que je ne sais pas c'est qui me l'a vendue ou qui me l'a offert gracieusement, puisque c'est sûrement un partenariat. Mais voilà. Donc merci. Je pense que c'est. Je ne vais pas dire de bêtises. Je pense que c'est New Craft Day, mais. Ou Seven Great, je ne sais plus. C'est un des deux, donc je ne sais pas trop. Bon, allez, je vous embrasse. À plus tard, les gens.